vas-y, appelle les flics tant qu'il y est. Sur mon chemin, de toute façon, tu peux rien faire. Oh. C'est une balance, hein. En même temps, c'est allemand. Oui, bonjour, nous sommes mardi matin, il est 6h. Je pars en direct de chez moi, et comme d'habitude, mais c'est vraiment... C'est un déchirement de partir de chez moi à chaque fois, de voir la maison s'éloigner dans le rétroviseur. C'est limite pire que quand je quitte quelqu'un, hein, pour une semaine. Là, il y a des chevaux en plus, puis qui me regardent comme ça. Enfin, ils font pas comme ça avec leurs sabots. Mais je comprends, dans ma tête, qu'ils disent... Arnaud, reste avec nous, on rigole bien. Arrête la drogue. Je peux pas, il faut que je travaille. Bref, on est parti pour aller bosser pendant une semaine. Alors, petite semaine, parce qu'on est mardi. Alors, le plan du jour. Là, je vais aller accrocher ma SMI. Ensuite, direction le Havre pour poser le conteneur qu'il y a dessus à mes repères. Ensuite, on va chez LHTE. Et une fois que j'ai récupéré mon conteneur chez LHTE, on part direction Vendeuvre sur Ars pour vider le conteneur. Il faut qu'on arrive là-bas avant 16h, sinon après, on est refusé et ça sera pris que le lendemain matin. On va se prendre la tête non plus, hein. D'ailleurs, au niveau prise de tête, ça y est, il commence à faire chaud, donc le béret, il est parti en vacances. On est parti sur la casquette pendant quelques mois. Ouais, je l'ai mis à l'envers, histoire de rajeunir un petit peu, ouais. Tant lointain, les casquettes à l'envers. Bon, c'est pas tout ça, mais le Havre, c'est parti. Une heure plus tard. Magie de la technologie, je m'ai bien fait avoir. J'attends tranquillement à LHTE dans la case numéro 2. Je me dis bon, j'ai une bonne vue devant moi, je vois tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe. Et puis j'attends mon conteneur. Puis au bout d'un moment, j'entends pouet-pouet, tu vois, juste à côté de moi. Pouet-pouet, insistant, tu vois, le pouet-pouet. Là, je regarde mieux dans le rétro et mon conteneur est descendu du ciel. C'est carrément les gros cavaliers sur rail qui sont venus nous poser ça. C'était une première pour moi. Bah franchement... Ça ne laisse pas indifférent. Le conteneur divin pour le chauffeur divin. T'es un connard. Ouais, c'est parti mon kiki. Bon bah j'ai fini par trouver. C'était un peu compliqué parce que c'est dans une zone qui est un petit peu cachée dans le centre-ville de Vendeuvre sur Barse. Alors je connaissais pas du tout ce coin-là. On va faire un petit tour par là-bas. Ils ont rénové tout un petit coin plutôt que de reconstruire une autre zone industrielle. Je vous montre ça. Des clients très sympathiques, un lieu plutôt sympa pour faire un petit tour le temps du déchargement et pas le temps de filmer plus que ça, mais par contre, ouais. Ça avait un petit goût de vacances. Bon, je sais que même, voilà, c'est Vendeuvre sur Barse, c'est pas fou, mais tu sais que ça commence à être un petit peu... C'est le début du loin au niveau des secteurs pour moi. Et là, tu te dis, ah, si j'avais été un peu après, avec un peu plus de temps, si j'avais pu visiter, ah, routier touriste, tout ça, tu vois. C'est le genre de petit moment, en plus avec le beau temps qui revient, c'est le genre de petit moment qu'on peut passer en tant que routier, qui est plutôt agréable. Bon, on m'a dit de remonter vers le Havre, sauf que bah, je suis déjà à 7h30 de conduite, je vais sûrement claquer une 10h puisque de toute façon c'est une mini semaine. Je travaille aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Bon, on va avancer. Surprise! Allez, c'est parti! L'expérience, ça sert en général. Et là, pour le coup d'aujourd'hui, ça m'a servi pour trouver une place pour le soir pour m'arrêter. Alors pourquoi ? À quel moment cette expérience du passé est venue améliorer mon présent ? À l'époque, lorsque j'étais en frigo, j'avais un client juste à côté. Je peux pas dire les marques, mais vous savez, c'est une marque qui met de la viande de cheval dans ses lasagnes. Un jour, j'étais arrivé la veille. J'avais vu qu'à côté, il y avait une zone avec pas mal de places de parking pour les poids lourds. Place de parking pour les poids lourds, c'est vite dit, mais au moins, il y avait de la place. Et là, je me suis rappelé, je me suis dit, oh tchut 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 tchut, ça a porté ses fruits. Heureusement, il me restait 7 minutes de volant. Une bonne journée qui se termine bien grâce au Mathieu d'il y a longtemps. Merci Mathieu d'il y a longtemps. De rien, Mathieu de maintenant. À bonne nuit, à demain. Mercredi matin, il est 5h30, nous décollons depuis quelques temps désormais maintenant, en direction du
Havre. Le Havre, port de Normandie, aménagé principalement par François Ier à l'époque. Alors, ce qui est très drôle au Havre, c'est que récemment, j'ai été contacté par des personnes d'un corps de métier du Havre. Je peux pas en dire plus, malheureusement, sur les réseaux. Et c'était une énorme surprise. Je suis dans la place désormais. Ah bah franchement, ça me touche. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, je disais donc, direction le Havre. Le Havre, c'est parti. A certain woman and it changed. I started to think that I wanted to survive. Allez, on est reparti du terminal de l'Europe avec une bestiole de presque 27 tonnes en 20 pieds. Alors, aujourd'hui, je sais qu'il y a grève, mais j'ai complètement zappé les horaires. Donc, le but, j'y crois pas trop, mais bon, on va tenter quand même. Hein. C'est d'aller livrer le client à Pont-l'Évêque en vitesse pour pouvoir revenir avant le début de la grève et éventuellement poser sa boîte et espérer en prendre une autre. Bon, ça, c'est dans le pays des bisounours que ça se passe. Tentons notre chance, on sait jamais. Pont-l'Évêque! C'est parti! Bien arrivé chez le client. Allez, bosse toi! Oh là 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 là. Ce que j'aime beaucoup chez ce client-là, c'est qu'on va retrouver des vieilles pierres. Alors attention, il n'y a pas que des vieilles pierres, il y a des vieilles pierres reconstituées ou des trucs faits en style vieille pierre. C'est un truc que j'adorerais avoir chez moi. Et par contre, je crois que. N'hésitez pas à aller sur Tipeee, hein, faites des dons, hein, parce que. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique, regardez ce truc-là. Terminé, parfait. Bon, c'était beaucoup plus long que d'habitude parce que forcément c'était pas la même marchandise, les palettes étaient différentes, il y avait différentes tailles, mais c'était hyper bien calé, il y avait des planches de partout. Mais bon, j'ai quand même pu discuter un petit peu avec le cariste que vous avez vu rapidement et m'a proposé un liner pour mon futur bassin à cape japonaise. C'est intéressant, c'est très intéressant vu la dimension et le prix. N'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee. Allez, c'est parti, on va décharger le petit conteneur à Projeco. Aujourd'hui, ça va être royal. Royal. Allez, c'est parti. C'est toi qui conduis ça? Ouais. Allez, bon courage. Alors ça, c'est pas mal. Il y a une locomotive... Il y a une locomotive qui s'arrête, qui bouge toute la route pour me dire bonjour. C'est le gars, il descend de sa locomotive. C'est pas mal. Oh la vache. Oh la vache, tu croyais Michael Cull, quoi. Oh mon dieu. Bon, je suis pas trop mal placé à TNMSC. 1, 2, 3, 4 camions visibles devant moi. Je sais pas s'il y en a plus loin. Donc pour 16h, je suis bien parce que là, il est 13h20. Faut attendre la fin de la grève que ça réouvre et que la machine se remette en route. Alors par contre, tout à l'heure, petite surprise sympa. Je vais pour sortir de Projeco pour un train qui s'arrête. Il commence à redémarrer et il se rarrête. Et là, je vois quelqu'un qui descend. Et là, je vais. Mais je connais ce gars-là. Il sort avec son téléphone en train de me filmer. Bah, c'était un abonné, tout simplement, qui conduit des trains sur le Havre. Bah, encore une belle surprise, tiens. Oh mon dieu. Le Havre. Je t'aime. Bon allez, petite sieste, hein. Ça se mérite. Ce type-là est un professionnel.
Alors les gueux, on attend depuis longtemps, hein. J'ai fini, moi, je pars. Salut. Ah, oh, le peuple, le peuple. Yorkona ! Ah oui, c'est moi. Ah, je vais en profiter également, hein, histoire d'instruire un petit peu la populace, répondre aux questions. Alors, pour les cavaliers, c'est très simple, hein, il suffit de se renseigner un tout petit peu d'effort, c'est quand même pas compliqué. Pour la formation, pour conduire un cavalier, vous savez, les bestioles qui déposent des conteneurs sur les châssis des camions, c'est une formation interne, voilà, tout simplement. Allez ! C'en était pas une de blague. Bon, arrêté ce soir à Châteauneuf-Antibray. Alors, il y a deux gars qui ont pris ma place juste là-bas, là. Deux ! Comme par hasard, débâchés, un hasard, je ne crois pas. Demain, donc, on va en direction de Chalette-sur-Loing. Et encore un hasard, je ne sais pas, parce que demain, forcément, c'est quoi ? C'est la Saint-Breton. Demain, c'est la fête des Bretons, je vous dirai pourquoi, vous en saurez plus demain. Bon, j'en ai plutôt intéressante. Là, j'ai pu me mettre cul à cul avec un autre chauffeur. Faut savoir que les routiers, nous, on aime bien se mettre cul à cul. Oh, c'est un peu comme la biscotte au rugby, tu vois. Eh, ça te dirait qu'on se mette au cul à cul ce soir ? Ouais, pas de problème. Chacun sa biscotte, comme on dit. Allez, vivement demain, Chalette-sur-Loing. À tout à l'heure. Tout de suite. Demain. Hello, les loulous. 4h40 du matin, on décolle tranquillement. Oh ! On a fait pile poil 9h de coupure. Ce qui veut dire que j'ai factuellement la tête dans le cul de maman. Alors théoriquement, je devrais arriver à l'heure. Théoriquement. Parce que, bon, j'avoue, le délai était un peu court. Parce qu'hier, quand il m'a annoncé à 7h, j'ai fait ah, ça risque d'être juste. Là, je me suis dit, ouais, non, ça va aller. Bah, et ben en fait, non. Pas du tout. Alors, je vais pas bombarder parce que ça sert absolument à rien. Tu prends des risques et ça consomme du gasoil inutilement. Allez, partons vers l'inconnu. Chalette sur loin, c'est l'inconnu. Les pneus, c'est l'inconnu. On n'en a pas encore assez vu. Beaucoup de trucs en U. C'est parti sur le tutu. Ah ! Une chose primordiale et super importante que j'ai totalement oublié de vous souhaiter ce matin à vous, les Bretons, parce qu'il est temps d'enterrer la hache de guerre Bretagne. Normandie. Alors, bonne fête à vous les Bretons, parce que oui, effectivement, aujourd'hui, c'est la fête de la Bretagne. C'est aujourd'hui où, bon, les Bretons, c'est la quintessence au niveau des dates. On est le 8 juin, et le 8 juin, c'est le 8-6. La 8-6, bonne fête à vous les Bretons. Ça me fait toujours plaisir. Ce spectacle dans le ciel. Bah oui, et oui, j'ai rien pu filmer, je me suis dit, oh, je vais me mettre dans la couchette 5 minutes. Au bout d'un moment, j'entends, allô chef ? Bah, je m'ai endormi. Je m'ai endormi et je m'ai entendu ronfler. Bravo Mathieu. Bon, j'ai appelé mon affréteur pour lui dire c'était terminé, est-ce qu'il y a une réutilisation ? Non. Du coup, retour au Havre, à vide. Je suis vraiment avide de nouveau tour. Jeu de mots. Oui, je sais. On va passer par des routes inconnues puisque ce matin, j'ai vu qu'il y avait une déviation. Génial. Super, formidable. Allez, le Havre, c'est parti. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers abonnés, et ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés d'ailleurs, l'heure est grave. Loin de moi l'idée de vouloir faire le démagogue, mais j'ai plutôt donné des consignes par rapport à ce qu'on peut voir sur la route tous les jours. Bon, il y a des gens, ils savent pas conduire, c'est trop tard, ils sont là parmi nous sur Terre, on peut plus rien faire. Enfin, si, mais c'est pas légal. On peut faire des trucs, mais c'est pas légal pour qu'ils soient plus là. Ma consigne est la suivante. Lorsque l'idée vous viendra de procréer afin d'engendrer votre descendance, pensez à aller faire pipi juste avant. Parce que quand je vois l'attitude de certains sur la route, que ce soit volontaire ou pas, hein, je me dis, ça ne peut pas exister comme ça, doit y avoir un problème quelque part. Alors, je me suis dit, ces gens-là ont sûrement été terminés avec des gouttes de pipi. Donc, ma consigne, avant d'avoir un coït, pour engendrer votre descendance,
pensez bien à aller faire pipi. Et je pense qu'avec ça, les comportements des gens pour les générations à venir sur la route ne s'en portera que mieux. Vous avez vu, c'était pas démago, juste une consigne. Et c'est légal. Ça, c'est fait. Bon, petit passage hyper rapide au Havre. Personne à Arnal, personne à Progeco. Je suis satisfait. Alors, le but du jeu. Là, il me reste 2h04 de volant exactement. Salut, toi, avec ton podium. Le but du jeu. Donc, comme je disais, c'est qu'il me reste 2h04 de volant maximum. Donc, je vais les utiliser aujourd'hui. C'est ma deuxième 10h. Que je l'utilise aujourd'hui ou demain, ça revient à la même chose. Comme on est jeudi. Par contre, la seule déception, c'est que d'habitude, quand je fais ce client-là à la frontière belge, bah, je dors à la frontière belge. J'aime bien mon petit spot. Bon bah là, pas de petit spot, j'aurais pas assez de volant pour y arriver. Le but du jeu demain matin, c'est de partir beaucoup plus tôt, quitte à pouvoir rôter sur place pour ne pas perdre de temps de volant dans les bouchons, parce que demain, c'est vendredi et j'ai envie de rentrer chez moi. Tout flairs dans le nord, hein. C'est parti mon kiki. Oui, quand il reste plus que ça à la radio, t'écoutes du classique. Ah, petite dose quand même. Ou alors t'écoutes les camions qui passent. Bien galère pour trouver une place ce soir, mais bon, c'est pas grave, on a réussi à se débrouiller comme on pouvait. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va arriver un petit peu plus tôt chez le client pour être sûr de pouvoir repartir avec assez d'heures direction la Normandie. Sinon, bah, ça sera le retour à la maison samedi matin. Et ça, je suis pas trop pour. Allez, bonne nuit et à demain. Allez, on est parti. 5h30 du matin, après 12 heures de coupure. Bah, ça me paraît plutôt raisonnable, 12 heures de coupure. Même mérité. On doit arriver là-bas chez le client vers 7h15, 7h30 en fonction de la circulation. Et ensuite, on va pouvoir ôter quelques temps. Vous avez vu un peu ? C'est un cadeau de Delta Trailer. Je le porte avec fierté parce qu'en fait, derrière, il y a la marque Twistlock. Alors forcément, sur le port du Havre, les Twistlock, c'est sur les coins des containers. Forcément, ça interpelle quand quelqu'un me voit avec ce polo. Hé, hey, t'as un truc de la marque Twistlock ? Ouais. Ouais, c'est à moi, ouais. Ouais, j'en suis, ouais. Je suis de la partie, tu vois. On va se concentrer un petit peu et puis on va repartir. Histoire d'essayer de rentrer à la maison ce soir. Pas perdre trop de temps sur la route à faire le guignol. Tout flair, j'y arriverai jamais. Hein. Je sais que vous m'avez déjà dit comment est-ce que ça se prononce, mais je me rappelle jamais. Frontière belge, tout flair. C'est parti. Forcément, je mets ce genre de musique lorsque je passe devant tout le monde chez un client. Sans le vouloir, hein, je me suis juste placé à un endroit où je gênais personne. Le patron vient me voir, me dit « Bah écoute, vas-y, mets-toi en place directement. » Je dis « Attention, j'ai rendez-vous qu'à 9h. » Il dit « Bah, t'es pas celui de 8h ?» Je dis « Non. » Il était 7h30. Et là, il me dit « Bon, bah écoute, il avait qu'à arriver plus tôt, il attendra. » Puis entre deux, il y avait un bâcher qui attendait aussi. La musique de petite bourgeoisie et de petite noblesse me sied parfaitement. Allez,
je ressors de Wiltenair, ouais, au Mall Central, ouais, au Havre, ouais, ouais. 20 tonnes annoncées, là. 20 tonnes, plus 3 tonnes 700 de containers, 23 tonnes 700. Le poids est annoncé, 29 tonnes 700 au total. 6 tonnes de différence entre ce qui est annoncé et le réel. On se fout de la gueule de qui, là? Attends de voir que je leur chope. Attends de voir, mon gars. Oui. Bon, en tout cas, c'est pas grave. J'ai quand même eu la suite. Donc, rendez-vous à TDF pour poser la bête, pour récupérer une autre. Et l'autre, bah, je vous laisse deviner, hein. Histoire de changer un petit peu, de mettre un peu de suspense, de changer les scénarios. Montargis à 9h lundi. Oulala! Oulala! On va récupérer tout ça, et puis on va rentrer faire le montage. Ah, y a une différence de bronzage. Mais bon, là, je crève de chaud et puis je mets pas la clim parce que je suis pas un routier sensible. Je suis un vrai bonhomme. Voilà, vache. Regarde, un tout blanc. Bon, j'ai récupéré ma boîte. Je fonce chez moi parce que j'ai envie. Et il me reste combien de temps pour arriver chez moi? 2 heures. Large. Allez, chez moi. C'est parti. Oui, je sais, je respire la classe. Mais quand il fait chaud, il fait chaud. Et qu'on est un peu gras. Oui, vous avez vu le tuyau, là? Ouais, hein. Ceux qui m'ont installé la pompe à chaleur, là. Merci beaucoup, hein. J'en ferai pas de la pub, hein. Ils sont hibernés dans un rond-point. Ils font des trucs thermiques. Rien de plus. Et pourquoi c'est encore allumé, ça? Je l'avais pas éteint. On en fout, j'y retourne, c'est pour vrai. Et c'est mes petites enseignes, là, dans les coins. Là, je peux enfin me déplacer et gambader joyeusement dans mes prés. Et maintenant, il y a des ballots. Alors, le canasson, on s'est abonné? C'est un michto des pommes, ce cheval. Bon, encore une fin bizarre. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, d'aller faire un petit don sur la boutique. Vous pouvez également partager la vidéo, faire un petit don sur Tipeee. Et n'oubliez pas d'aller aussi jeter un petit coup d'œil sur Instagram, un petit coup d'œil sur TikTok et un petit coup d'œil sur BFF en cherchant Monsieur Normandie pour me trouver. Voilà, bon week-end à tous, des gros bisous et à très vite. Ciao !